الدول الإفريقية والذي سيكون بمثابة أيضا بوابة اقتصادية نحو أوروبا والعالم لتفاصيل أكثر حول الموضوع نسعد باستضافة السيد محمد عيادي الكاتب العام للجنة الطريق العابر للصحراء مساء الخير سيدي أهلا بكم خير. شكرا بداية أستاذ محمد عيادي المشروع مشروع الطريق العابر للصحراء هو مشروع ضخم الجزائر استثمرت حوالي 2.6 مليار دولار من أجل تجسيده اليوم ما هو واقع هذا الطريق Voilà, je vais essayer de vous dire euh, d'abord qu'est-ce que c'est que ce projet et ensuite on passera, si vous voulez bien, à l'essentiel de l'actualité de ce projet. Euh, ce projet est né euh, à l'initiative et sous les auspices de la CEA, la Commission des Nations Unies pour le Développement. Et il est né pour le développement. Ne l'oublions pas. Le comité a été installé en 1966, 1966 et les travaux se sont continués. Aujourd'hui, ce projet réunit six pays. L'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria et le Tchad. Sa consistance globale, c'est près de 10 000 km, dans lesquels 80% est terminé. 10% sont en cours de réalisation et à peu près 10% sont encore à l'état de piste. Très schématiquement, c'est Alger-Lagos, Lagos qui en Nigeria, est au Nigeria, 4500 km c'est un axe qui est terminé sur lequel reste une section de 225 km au Niger. J'espère qu'on va l'inaugurer à la fin de l'année en cours. Ensuite, nous avons une branche qui va vers le Mali à partir de Taman Rasset, à partir précisément de Timiaouine sur 2200 km au Mali. Nous avons une seconde branche qui va vers la Tunisie à partir de Gardaya et la dernière branche qui part de Zender. Zender est à peu près au milieu du Niger et qui va vers le Tchad sur 1200 km. Euh, l'Algérie a joué un rôle déterminant, les, les, surtout les gens des travaux publics. Comment ils ont joué un rôle déterminant D'abord parce que c'est à l'initiative des ingénieurs qui étaient dans ce secteur qu'a été fait le choix de la variante actuelle, parce qu'il était possible d'aller par l'ouest, par l'est. Nous avons été en cela, aidés en cela par le PNUD, financièrement et techniquement. Et dans l'ensemble, on ne peut qu'être satisfait parce, parce que il y a la préoccupation de la rentabilité économique sans occulter les problèmes sociaux. Ça veut dire qu'on fait attention euh, aux localités, aux habitants, pour qu'ils puissent tirer bénéfice de, 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 cet, de cet ouvrage. Mm. Alors, هذا تجسيد هذا المشروع على طريق العبر الصحراء كيف سينعكس كما سبق وذكرت على المشهد الاقتصادي في الجزائر وحتى على الدول التي كانت تعاني عزلة نوعا ما حتى للوصول إلى الضفة الأخرى أوروبا أو تسويق منتجاتها عبر العالم Je vous remercie infiniment de cette question. La raison d'être de la route, c'est de faciliter, c'est d'accélérer les échanges. Elle facilite les échanges et les accélère en réduisant le coût du transport. Vous avez des pays comme le Mali où le coût du transport Très peut important. représenter 50% du coût d'un produit. Euh, le, 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 on, nous avons fait des études qui ont démontré que pour le nord Niger, le gain de temps pour les gens qui viennent des ports méditerranéens par rapport à ceux qui viennent des ports du golfe de Guinée et de l'ordre de 11 jours. Pour le Mali, venir d'Alger, c'est quelques 7 jours, alors qu'il en faut 15 pour aller du côté de Dakar. La route joue un rôle déterminant. Mais, comme dès l'origine, il avait été question d'intégration régionale, nous avons conduit en 2009... Une étude qui s'intitulait Étude des potentialités d'échanges commerciaux entre les pays membres du comité de la route transsaharienne. Et les conclusions de cette étude voulaient que soient instaurés des systèmes de gestion de ce corridor. L'objectif, c'est comment faire en sorte que l'on puisse ne pas perdre de temps à la douane, comment faire en sorte pour avoir moins de problèmes au niveau de la banque. Comment faire en sorte pour qu'il y ait des facilitations et une harmonie dans le transport. Mais à cette époque-là, c'était un peu trop tôt. Le temps a passé et au niveau continental est venu, comme vous le savez, la ZLECAF, la zone de libre-échange commercial. Okay. C'est une chose qui va tout à fait dans le sens de ce que visait le projet de la, la route transsaharienne dès sa naissance. Et nous sommes revenus à la charge. Nous sommes revenus à la charge avec l'aide de la Banque islamique qui a financé une étude qui a été conduite par la CNUSED. La CNUSED, c'est la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Et en 2020, nous avons conduit une étude. Je les ai assistés. Nous avons tenu un webinaire pour en parler avec l'ensemble des pays concernés. Et nous avons abouti à la conclusion. Euh, Encouragés, recommandés, euh, aidés par les institutions internationales sur l'idée qu'il fallait mettre en place les corridors. À la suite de ça, nous avons organisé chez nous, ici à Alger, à la SAFEX, une conférence à laquelle nous avons fait participer tous nos, nos, nos grands responsables commerce, finance, euh, transport. Et nous avons fait participer également nos responsables d'entreprise, qui à l'unanimité ont dit il faut mettre en place les corridors. Nous avons tenu une autre réunion restreinte pour en parler, pour dire comment on va mettre en place ce corridor. Et nous avons décidé qu'il était souhaitable que ce soit instauré au niveau du ministère du Commerce. À okay. la suite de ça, nous avons eu un webinaire il y a deux jours. Deux jours. Nous avons été aidés en cela, tout particulièrement par le ministre, de, monsieur le ministre des Travaux publics, monsieur le secrétaire général du ministère. Et le webinaire a été une, une, une très grande réussite, parce que pour instaurer le mécanisme de gestion du corridor, il faut l'accord des ministres transport, commerce, finances, travaux The publics well de chaque are. pays. Mm. Ils étaient... Présent avec nous. Il y avait le président de la Banque islamique, il y avait la secrétaire de la CNUSED, il y avait le, un ambassadeur algérien qui représentait le ministère des Affaires étrangères. Monsieur le ministre des Travaux publics est intervenu. Et je dirais, à l'unanimité, il y a adhésion sur l'idée qu'il faut instaurer les corridors. Et j'espère que nous allons pouvoir, dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour voir mettre en place ces corridors. Je voudrais ajouter un mot sur cette notion de corridor. C'est quoi C'est créer une équipe de, euh, composée des représentants des douanes des six pays. Créer une autre équipe avec les représentants du commerce des six pays. Créer une équipe avec les représentants des finances. Pour Qui va nous... gérer le projet. Exactement. Pour dire quels sont les problèmes. Comment allons-nous les gérer dans l'intérêt supérieur

Euh, 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 il y a un trafic de l'ordre de 60 000 véhicules. C'est une grosse dépense, mais elle fait gagner 30 minutes à chaque personne. Quand on fait gagner 30 minutes non. aux Algériens, on fait gagner 30 minutes aux Nigériens. L'Algérie est en train d'investir sur le port. L'Algérie est en train d'avoir un, un regard euh, très, très en avance. C'est une excellente chose, mais il faut la valoriser. Il ne faut pas Comment que ça? ce soit uniquement pour l'Algérie. Je vais donner un exemple. Euh, pour savoir où, où, où on en est de, de, de ce bénéfice de cette, infra, de cette infrastructure, on regarde le trafic. Quand vous êtes entre Chifa et Berwakia, hein, vous avez 60 000 véhicules. Quand vous êtes à Légos et que vous allez vers Ibadan au nord, vous êtes à 75 000 véhicules jour. Quand vous êtes à Ngizem pour aller vers le Niger, vous êtes à 100 véhicules, tout juste. Regardez, vous descendez de 60 000 à 100. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange, ça veut dire qu'il n'y a pas de facilité. Ça veut dire qu'il faut se pencher sur la question. Euh, il y a le port de Djigel aussi qui intervient. Gingel. Et euh, dans l'étude qui a été conduite par la CNUSED, il rapporte les difficultés qui sont au niveau de nos ports parce qu'il y a beaucoup de marchandises, parce qu'il faut euh, investir, mais. يجب أن يرافق هذا ويجب أن يُقدَّر هذا بالضبط. ربما في هذه النقطة سيدي ما يخص البنية التحتية إذا اللي راح يكونوا على مستوى هذا الطريق كيف سيتم أيضاً تجهيزهم من أجل ربما راحة المسافرين؟ نوّم هذا الطريق الذي سيكون طريق دولي ويحتاج ربما إلى نوع من المستوى معين من الخدمات التي لازم تكون متوفرة على هذا الطريق. Vous avez entièrement raison, mais vous me posez une question qui relève des ministères trop de Mais j'en profite pour dire la chose suivante. Dans le cadre de mes fonctions, je suis amené à assister à un certain nombre de rencontres au niveau continental. Il y a une vision continentale pour les grands axes, les grands corridors, pour qu'il y ait la possibilité de faire la connexion entre les lieux de production et les lieux de consommation, pour qu'il y ait la possibilité et avec aisance de pouvoir transporter les marchandises vers les ports. De ce point de vue-là, L'Algérie est intégrée d'une manière harmonieuse et intelligente parce que les gens qui sont euh, concernés, au niveau de notre schéma national d'aménagement du territoire, ont bien conçu les choses et nous avons, par exemple, l'autoroute Est-Ouest qui appartient à l'axe euh, Le Caire euh, jusqu'en Mauritanie jusqu'à Nouakchott. Nous sommes intégrés euh, centralement par la, la, la route transsaharienne. Nous, nous sommes en pleine harmonie. Maintenant. Au niveau euh, du confort des usagers, il y a des programmes au niveau du ministère des Tropiques. Je ne me permettrai pas d'entrer à l'intérieur, mais je vous rassure sur ce que ces questions sont prises en charge. C'est un problème de temps. Mmh. – من اجل ولوج المنتجات الجزائريه ايضا الى الاسواق الافريقيه وايضا المنتجات الافريقيه المنافسه يمكنها ايضا ان تدخل الى اوروبا بشكل سهل وربما بتكلفه اقل من ما كانت عليه سابقا Merci, c'est tout à fait ça. Vous savez, la route transsaharienne, c'est un deuxième canal de Suez. Tous les gens qui se promènent dans la Méditerranée et qui veulent aller vers l'Afrique profonde, au lieu de contourner Ils, ils descendent directement. C'est un gain monumental. Mais encore une fois, il faut mettre en place le système corridor mmh. pour faciliter, pour organiser, pour éclairer, pour informer, pour faire en sorte que les marchandises passent plus facilement, pour faire en sorte qu'il euh, qu y ait un intérêt plus grand, pour faire en sorte qu'il y ait une, euh, plus d'initiatives. La, la, la Chine a fait la route de la soie. On, On est en arriver. train de faire. Un projet à la dimension de, 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 de notre pays, à la dimension de notre continent, à la dimension des pays sahéliens. Et nous pouvons aller dans ce sens, mais encore une fois, mais ils Il faut se mettre autour de la, de la table. Il faut mettre en place un système de mécanisme de gestion corridor pour définir ce qui doit être fait et ce sur quoi nous travaillons actuellement. Et par bonheur, ça tombe au moment. ويليا لازيكاف دون بار، وو موموا لي بلو اوتوريتي دو نوتر بيي افيرم ا توت لي اوكازيون لور فولونتي دو بلو كروند اوفرتور افك لي لي بيي ربما سيدي في شق تقني ربما إنصح التعبير لو تقدر تعطينا توضيحات على الشركات الجزائريه اللي شاركت في تجسيد هذا المشروع الضخم، هل هذا يعتبر اليوم مكسب؟ للمؤسسات الاقتصاديه الجزائريه خاصه في قطاع الاشغال العموميه اللي قدرت تجسد مشروع عملاق مثل هذا بمستوى ربما احترافي عالي على غرار وقت سابق كنا نستعين بشركات اجنبيه تدير لنا هذه الطرق. Je vous remercie encore une fois. J'ai été directeur, euh, président directeur général d'un de nos plus grands bureaux d'études. Et donc, j'ai eu à suivre le développement de mon pays dans les travaux publics. Euh, sur le plan infrastructure, l'Algérie peut être fière de ce qu'elle a. Alors, nous avons hérité de 20 000 km à l'indépendance. Nous avons 135 000 km. C'est énorme. Nous sommes deuxième en Afrique. Donc tout cela, nous l'avons fait. Nous avons invité d'autres euh, entreprises étrangères, mais nous avons des entreprises qui ont des capacités réelles. Nous avons passé un temps où nous avions la coopération. Je suis de ceux qui milite beaucoup pour la coopération parce que la coopération nous a énormément donné et je témoigne parce que j'étais directeur général d'un bureau d'études que le, la vision du schéma autoroutier algérien est allemande l'autoroute Est-Ouest dans ses origines dans sa dans son étude première elle est allemande la coopération nous a apporté énormément mais nous avons des gens qui ont beaucoup appris et par exemple pour le chiffre Berrouaghia les entreprises algériennes ont été très présentes je suis de ceux qui ont essayé d'exporter D'autres ont, ont essayé de le faire. La difficulté a été monumentale. Mais peut-être que ce n'était pas le moment. Mais maintenant, tout ce potentiel, nous ne le valorisons pas. Je n'ai pas envie de citer les noms, mais je trouve anormal que d'autres entreprises de pays membres du comité soient présentes et que l'on soit si peu représenté au niveau de ces pays-là. Nous avons une seule entreprise privée qui se trouve sur Arlit Asamaka. J'espère que des textes, que de la réglementation, que des facilitations...

Est en train de s'ouvrir et il oui. y un très grand espoir de ce que nous allons valoriser nos capitaines d'entreprise. Et il y a un réel potentiel, j'en témoigne, aussi bien dans le domaine des études que dans le domaine de la réalisation. Mais il faut revoir, il faut discuter, il faut. أو ما في هذه النقطة بما أنك أنت عندك خبرة في هذا المجال أين يتم أين تكمن ربما الخلل هل نقص الخبرة أو ربما نقص تسويق الماركتينج لسمعة المؤسسة الجزائرية الناجحة في هذا المجال يعني أين الخلل ربما؟ les difficultés à لوش louche que rencontrent nos entreprises c'est au niveau des finances au niveau du mouvement financier c'est les difficultés les plus grandes Au niveau de la douane. Ce n'est pas le douanier qui est en faute, c'est celui qui a fait la réglementation qui est à Alger. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Nous avons fait réunion, nous avons invité, nous n'avons pas eu le plaisir et la chance d'avoir ceux qui sont compétents pour nous dire, pour que l'on puisse se regarder dans les yeux et en, euh, en tant qu'Algérien se parler pour dire comment nous corrigeons. النقاش كان شيق لكن لضيق الوقت نعتذر ونتوقف عند هذا الحد وان شاء الله تكون لنا فرص اخرى مستقبلا للحديث اكثر حول الموضوع. شكرا. شكرا لك انفينيمون اي لو فيت دو مافوار انفيتي سي ان انكوراجمون. شكرا لك. شكرا لك. اذا مشاهدينا نتوقع.